Salut, c'est Aslak, bienvenue dans ma forge. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Alors oui, je sais, elle sort un petit peu en retard, mais elle sort. Et c'est ça l'essentiel, non? Dans cette vidéo, nous allons filer à l'atelier pour forger un petit lutin décoratif pour Noël. Puis une fois fini, je le ferai gagner à un abonné parmi la communauté, mais je vous explique tout ça en fin de vidéo. Ça a été une année étrange et compliquée pour tout le monde, alors essayons de redonner un peu de magie de Noël dans les chaumières avec une petite sculpture. Et j'en profite aussi vite fait pour remercier Elaras qui m'a contacté sur Twitter pour m'offrir ce super cadeau. Donc une petite plaque dans la forge d'Aslak qui a été faite en imprimante 3D. C'est super cool, franchement merci beaucoup. Donc je vais le mettre, faut que je trouve une place dans le décor, je vais probablement le mettre à l'atelier vu que le format se déroule là-bas. Voilà, merci beaucoup à toi. Et je voulais aussi vous remercier, vous, la communauté qui continue à me soutenir et à suivre mon travail, ça fait vraiment plaisir. Voir les mêmes pseudos en commentaire, etc. Depuis toutes ces années, ça réchauffe vraiment le cœur. Comme vous le savez, YouTube défonce les petites chaînes, dont la mienne forcément. Par exemple, au cours des 30 derniers jours, j'ai gagné 100 abonnés. C'est en gros ce que je gagnais quand j'avais 10 000 abonnés, sauf que maintenant j'en ai 113 000, donc c'est pas du tout normal. Et c'est exactement la même chose pour les vues. Bref, tout ça pour dire que l'algo YouTube est complètement daubé, alors les petits vidéastes comme moi n'ont que vous pour espérer avancer. Donc un grand merci à vous, je le dis pas souvent, ou du moins pas assez, mais c'est les fêtes de fin d'année, alors j'en profite en vous faisant un petit cadeau. Mais juste avant, je voulais remercier le jeu Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce jeu, car j'en ai parlé il y a quelques mois, mais j'en fais un petit topo pour les nouveaux. Red Shadow Legends est un jeu de dingue, bourré de champions badass, de donjons héroïques et de boss terrifiants, le tout parcouru par des millions de joueurs à travers le monde. Je joue à Red depuis pas mal de temps maintenant et au fur et à mesure des mois, j'ai pu voir que le jeu est constamment mis à jour avec de nouveaux ajouts. Ce jeu est vraiment addictif et la communauté active et massive donne carrément envie de progresser. Alors n'hésitez pas à télécharger Red Shadow Legends sur votre téléphone ou sur votre PC et à venir me rejoindre grâce au lien que je vous mets dans la description. Ce que j'adore surtout dans le jeu, c'est de collectionner les différents héros et de les équiper et de les améliorer autant que possible pour en faire de véritables machines de guerre. Vous avez la possibilité de créer ou de rejoindre un clan pour jouer avec vos amis, ce qui vous donnera accès également à des raids de clan et donc à de super récompenses. J'aime beaucoup aussi parcourir la campagne qui est super grande et vachement bien foutue d'ailleurs. Et le gros avantage, c'est qu'en plus de passer de super moments, vous allez gagner un max d'XP, d'argent et même des artefacts pour booster à mort vos champions. Mais si je vous parle de Red Shadow Legends aujourd'hui, c'est aussi parce que ce mois-ci, il y a eu la plus grosse mise à jour du jeu, avec notamment l'ajout de la fameuse tour du malheur. Une tour de barge qui compte 120 étages, tout un tas de salles avec des défis secrets, et pas moins de 12 boss ultra bourrins. J'ai vraiment hâte de tester ça, d'autant plus qu'ils lancent par la même occasion 14 nouveaux champions et tout un tas d'événements spéciaux pour les vacances. En plus, en ce moment, Red nous offre plein de goodies et un méga champion rempart qui va vachement nous aider pour la tour. Donc si vous voulez avoir un bon gros coup de main pour débuter le jeu, n'hésitez pas à télécharger Red Shadow Legends grâce au lien que je vous mets dans la description. Et si vous êtes nouveau joueur, vous obtiendrez le champion rempart, 50 gemmes, un booster d'XP, des recharges d'énergie et même un éclair antique dès que vous vous connecterez au jeu. Vous aurez juste à cliquer sur votre boîte de réception juste là et hop, vous pouvez débuter l'aventure. Profitez-en, toutes ces récompenses ne seront dispo que pendant les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Donc merci à Red Shadow Legends. Allez, on retourne à l'atelier. J'ai bidouillé ce petit truc vite fait, donc on verra si ça fonctionne. L'idée, c'est de pouvoir poser et de venir taper là pour faire comme une guillotine. On verra bien si ça fonctionne.
J'y crois pas du tout, mais c'est pour jamais. Bon, on va repasser à la technique à l'ancienne, c'est de la merde. Faut vraiment que je me trouve une putain de guillotine. Du coup, je vais faire au backstand, encore. Donc bah, c'est parti. Forcément, le temps de faire le concours, de l'envoyer, etc., c'est mort pour cette année. Mais ça me ferait super plaisir si, pour Noël prochain, le gagnant l'ajoute à sa déco et m'envoie une photo. Donc, pour le concours, justement, il se déroulera uniquement sur Instagram. Je vous explique pourquoi. Déjà, c'est le réseau que je préfère après YouTube, donc j'aimerais le développer. C'est important aussi pour un vidéaste de développer ses réseaux. Car si YouTube tombe pour X ou Y raison, je n'aurai aucun autre moyen pour garder contact avec vous et vous prévenir des actualités. Et aussi, il y a un truc bien chiant sur Insta, c'est qu'il faut avoir minimum 10 000 abonnés pour pouvoir mettre des liens de vidéos. Et ça, ça me gaffe sévère, car je peux jamais partager mes vidéos. Donc, je suis actuellement à environ 3200 abonnés, donc je compte vraiment sur vous pour qu'on passe cette foutue barre des 10K. Alors viens, n'aie pas peur, j'ai des bonbons. Je rappelle aussi que les donateurs de Tipeee, entre autres, ont pour chaque palier de 10€ automatiquement une voix supplémentaire pour les différents concours sur la chaîne. Donc là, c'est ce petit lutin en acier forgé, mais il peut y avoir aussi des couteaux, comme ça a déjà été le cas, mais aussi divers autres cadeaux, voire même des stages de forge avec moi à l'avenir. Enfin bref, donc pour participer à ce concours, il faut être abonné à la chaîne YouTube, évidemment, mais il faudra également être abonné à mon compte Insta. Puis il faudra liker et taguer un ami en commentaire de la photo de ce lutin. La clôture des participations aura lieu le jeudi 31 décembre 2020 à 20h et le gagnant sera annoncé le vendredi 1er janvier 2021. Histoire de commencer l'année avec une bonne nouvelle pour le ou la gagnante. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous préviens aussi que je vais faire une petite pause histoire de pouvoir préparer début 2021 plus sereinement. Donc les vidéos reprendront sur la chaîne le vendredi 18 janvier 2021 à 18h. Tous les vendredis comme à la normale. Et je vous souhaite une bonne fin d'année les amis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte. Salut !